Après cette brève présentation générale, le mot de bienvenue de vos chers souhaiteurs vous sera transmis. Nous vous présenterons ensuite les bénéfices inhérents à la formation que vous suivez ici présentement, et nous vous présenterons la liste des composantes utiles et nécessaires pour le suivi de ce programme. Nous vous ferons part des personnes qui sont indiquées et habilitées à suivre ce cours, mais aussi à celles qui ne le sont absolument pas. Ensuite, nous vous présenterons une brève notion d'intelligence musicale et nous clôturons cette partie avec des exercices sous forme de QCM. Bonjour, je suis Léopold Mandel, je suis professeur de musique, professeur de piano et je donne des cours de piano dans les établissements de la place. Avec vous, j'aimerais présenter une nouvelle expérience. Nous puissions travailler sur le piano acoustique. Le piano acoustique n'utilise pas le courant électrique, contrairement à ce piano qu'on appelle généralement synthétiseur parce qu'il est purement électronique. Alors nous allons présenter en quoi consiste le piano. Est-ce que le piano permet de jouer des mélodies telles que nous aurions aimé les entendre dans nos lecteurs CD ou dans nos ordinateurs? Alors pour ça, nous allons utiliser aussi un tableau. Sur le tableau, nous allons dessiner la partition parce qu'il y en a encore beaucoup qui jouent même des instruments et qui ont du mal à lire les partitions. Alors nous allons vous montrer ce que c'est qu'une partition et comment est-ce que la partition se présente, comment est-ce que nous pouvons l'exploiter et comment est-ce que nous la lisons. Et pour ce, nous allons utiliser des documents. Nous n'allons pas utiliser tous ces documents ici présents. Nous allons travailler avec certains documents. Et je tiens à préciser ici déjà, il y a une difficulté qui se présente, c'est que généralement, ceux qui veulent apprendre du piano ont certaines difficultés, n'est-ce pas, au niveau du choix de la méthode. Alors, nous allons distinguer ici deux types de personnes. Nous allons distinguer des personnes qui ont une intelligence, on va dire une intelligence musicale, allant de 3 à l'âge de 7 ans. Et ceux qui vont de l'âge de 7 ans à des âges plus élevés et plus évolués. Alors nous allons ici essentiellement travailler donc avec le deuxième type de personnes, les personnes qui ont une intelligence musicale qui est au-dessus de 7 ans. Alors pour ça, nous allons utiliser des manuels, n'est-ce pas? Ici par exemple, nous avons la méthode Rose, que certains d'entre vous connaissent déjà. La méthode Rose est écrite par Van de Velde, n'est-ce pas? Et dedans, vous avez les différents degrés que vous allez, sur lesquels vous allez travailler. Vous allez voir, il est intitulé Première année de piano et édition IBC. Donc, normalement, ce document est utilisé pour être joué en une année. Mais ceux qui sont assez forts, assez évolués, peuvent le travailler, même en un mois, pourquoi pas, même en un mois. Un autre document sur lequel nous aurons aussi à travailler, c'est le pianiste virtuose de Charles-Louis Hanon, n'est-ce pas? Et ce document permet de travailler la technique du doigté, n'est-ce pas? Nous allons pouvoir travailler la technique, comment est-ce que il faut pouvoir régulièrement travailler pour avoir des doigts disciplinés, n'est-ce pas? Alors, un autre document, c'est celui de nos tout petits Ofiano, que nous n'allons pas, sur lequel nous n'allons pas rester. Ce document fait partie de la première catégorie des personnes dont j'ai cité, c'est-à-dire que des personnes qui ont une intelligence musicale qui va de 3 à l'âge de 7 ans. Ceci, entre autres, ce sont des documents que nous allons pouvoir utiliser pour vous enseigner, n'est-ce pas, la méthodologie qu'il faut utiliser pour apprendre, n'est-ce pas, à jouer du piano. Nous voulons vous dire déjà merci de nous avoir choisi, n'est-ce pas, pour ce programme. Et nous voulons avec vous, n'est-ce pas, pouvoir évoluer et permettre à ceux qui le voudront bien de pouvoir utiliser une pièce. Nous avons par exemple la prélude numéro 4 de Chopin, nous avons la Lèche à Élise et d'autres pièces de ce genre que vous avez souvent aimées, mais que vous avez du mal à écouter, bien, du mal à pouvoir interpréter sur un piano. C'est pour cette raison que nous avons pensé être utile, n'est-ce pas, de mettre ce programme sur pied pour vous aider, vous, n'est-ce pas, à la maison aussi, de
pouvoir vous en sortir dans le piano. Je vous remercie et à la prochaine.